l'occasion de son retour sur TF1 dans la série populaire HPI, Audrey Fleurot s'est livrée à quelques confidences sur sa vie privée, partagée entre sa carrière d'actrice et sa vie de maman. Droit d'auteur, best image. En bref, Audrey Fleurot, actrice de la quatrième saison de HPI sur TF1, jongle entre son emploi du temps chargé et son rôle de maman de Lou, 8 ans. Elle exprime sa lutte contre la culpabilité d'être souvent absente, en s'efforçant de rentrer tous les week-ends et d'amener son fils avec elle lors des tournages hors de Paris. Audrey trouve un équilibre entre sa carrière et sa vie familiale, en valorisant les moments passés avec sa famille et en s'appuyant sur le soutien de son compagnon, Djibril Glissant. L'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale est un challenge de tous les jours qu'Audrey Fleurot se met un point d'honneur à relever. Alors qu'elle signe son retour dans la quatrième saison de HPI, la série de TF1, l'interprète de Morgane Albaro enchaîne les tournages pour le grand écran, les plateaux d'émissions et les rencontres avec ses fans comme au festival Sériemania. Comment jongle-t-elle entre cet agenda bien chargé et sa vie de maman? La maman de Lou, 8 ans, se confie dans les colonnes de Paris Match, sur sa manière de gérer sa famille recomposée. Être actrice et maman, le challenge rock'n'roll d'Audrey Fleurot. La vie d'Audrey Fleurot, qui a régalé le grand public lors de sa participation à l'émission LOL, qui ressort, est loin d'être une sinécure. Quand elle n'est pas sur les plateaux de tournage, parfois loin de Paris où elle réside, l'actrice se consacre à son rôle de maman. Un emploi du temps qui peut entraîner une bonne dose de culpabilité dont Audrey Fleurot tente de se débarrasser. Quand je ne tourne pas à Paris, j'ai des phases de culpabilité, mais je rentre tous les week-ends et quand je peux, je me débrouille pour emmener mon fils avec moi, explique la maman de Lou, 8 ans. C'est rock'n'roll, mais ça se passe très bien. De toute façon, en regardant autour de moi, je m'aperçois que la plupart des parents rentrent hyper tard, qu'ils ont une nounou matin et soir, font un bisou à leurs enfants au coucher et repartent au boulot le lendemain, se rassure-t-elle. Souvent absente, ce qui aide Audrey Fleurot à ne pas culpabiliser outre le fils qu'elle a avec son compagnon, le réalisateur Djibril Glissant, Audrey Fleurot partage aussi son temps avec les deux enfants de son conjoint. L'actrice estime avoir de la chance, car se réjouit-elle, comme les enfants de Djibril, qui ont 10 ans et 15 ans, mon fils est fan d'HPI et c'est assez joyeux. La maman de Lou, qui regrette d'être souvent absente et de rater sans doute des choses, peut s'appuyer sur son compagnon. J'ai de la chance que son papa assure. On s'arrange pour vivre des moments exceptionnels, se réjouit-elle. Aux yeux de celle qui estimait il y a 10 ans que la cellule familiale est un concept artificiel, les choses ont évolué. La cellule familiale se réinvente en permanence. On n'a pas les mêmes aspirations à 25 ans et à 40 ans. Je crois à l'équilibre qui est le mien et qui convient à ma famille, assure-t-elle aujourd'hui. Car si beaucoup ne pourraient pas s'accommoder de l'intermittence et ne supporteraient pas de ne pas être là tous les soirs. Moi, c'est le contraire. Il y a les moments où je travaille et où je me retrouve seul la nuit dans un Airbnb, et ceux où je rentre et me consacre pleinement au mien. J'ai besoin des deux pour m'accomplir, analyse l'actrice qui est parvenue à un équilibre dans sa vie. Just me.